J'active le mode de soutien de la combinaison pour compenser votre inexpérience. Hop, hop là, on se retrouve dans Echo. Echo, es-tu là? Echo, es-tu là? Oui, je suis ici. Oui, je suis ici. Je vais pas vous la faire tout le long comme ça, ça va être relativement pénible. Alors, nous voilà sur cette petite planète. À l'architecture très limitée, on va dire. En quête. Il y a quelque chose ici. En quête de. Ça doit être une sorte de mécanisme. En quête de. Mais laisse-moi parler, toi. T'as entendu ça? Ça a fait quelque chose. Oui, ça dessine des crop circles pour que les UFO puissent atterrir. D'ailleurs, le mien vient de partir, c'est dommage. Hop. Ça ne fonctionne pas mieux. Et donc, me revoilà coincé comme lors du stream d'intro, puisque le jeu n'est pas capable de détecter que j'ai clairement l'intention de descendre dans ce trou, ça c'est rigolo. Houston, Houston, vous me recevez? J'ai une intention. J'ai une énorme intention. Alors, c'est quand même vachement marrant, parce que arriver à faire des jeux relativement propres et. Dès le début du gameplay, merder royalement, c'est quand même... Il y a un petit côté qui fait rire. Mais il va finir par se déclencher. Je ne désespère pas, tout à l'heure, je n'ai pas streamé et j'ai réussi à déclencher la séquence. Mais là, c'est un petit peu comme... Non, je vais dire une énorme saloperie, donc je vais m'abstenir. Bonjour. Descendre, je souhaiterais. Sinon, je vais faire pipi contre ce pylône. Non, ok. Bon, alors, laisse-moi descendre. Espèce de gros tas de... merdouille. C'est quand même comique. Donc voilà la première énigme du jeu, descendre. Et c'est assez mortel. Houston, vous me recevez? Ah, elle ne me reçoit pas. Hey, buddy, look, I want to get down. No, you can't. Okay, but why? Where is Mrs. Millet? Ah bah, she's in the hall. But you can't go in the room. So, Mrs. Millet is doing the cooking. Echo, un jeu passionnant où on tourne absolument pas en rond, donc. C'est super rigolo. Je vais être encore obligé de couper le stream et puis de reprendre la séquence quand je serai arrivé à sauter dans ce damné trou. Mais moi, ça me fait moyen rigoler, quoi, ce genre de situation où on est là comme un con à attendre de déclencher la suite du script. Qui, bien entendu, n'a pas trop envie de collaborer. C'est quand même fantastique. Donc normalement, il y a un moment où la voix de mon vaisseau doit communiquer et me dire « Oui, si tu veux descendre, tu as des triangles d'action et il faut que ton triangle d'action soit OK, sinon tu ne pourras pas compléter l'action. » Là, mon triangle d'action est complètement mort. Et ma petite voix de vaisseau n'est même pas là pour me tenir compagnie. Alors, je vais couper le stream et puis je vais reprendre juste après parce que c'est juste pathétique, pitoyable et pourri, vous en conviendrez. Un petit essai encore là.
Houston, j'ai l'intention de descendre dans ce trou, quoi qu'il advienne. Sinon, je rentre à ma maison et je fous en l'air. On se retrouve tout de suite.